J'ai vu le film Saturday Night en français samedi soir et je te donne mes impressions. Mais juste avant, moi c'est Martin Rigaud et pour ne pas manquer mes prochaines critiques pour les films The Apprentice et Smile 2, abonne-toi. Saturday Night, c'est réalisé par Jason Reitman qui est né à Montréal et qui récemment a réalisé Ghostbusters Afterlife en 2021. Ça met en vedette Gabriel Labelle qui joue le fameux producteur Lorne Michaels et qu'on a vu récemment jouer un autre personnage connu, Steven Spielberg dans l'excellent film The Fableman. Il y a aussi plein d'autres visages familiers comme Dylan O'Brien, Finn Wolfhard, Willem Dafoe et J.K. Simmons. Le 11 octobre 1975 à 23h30, une troupe de jeunes comédiens et auteurs a changé à jamais la télévision et la culture. Saturday Night est basé sur l'histoire vraie de ce qui s'est passé dans les coulisses au cours des 90 minutes précédant la première diffusion de Saturday Night Live. Cet automne, SNL a entamé sa 50e saison, oui, 50e, donc super timing pour en faire un film. Dans le cast original, il y avait entre autres Chevy Chase, Dan Aykroyd et John Belushi. Incroyable. Gabriel Labelle qui joue le rôle principal est solide et toute la distribution est bonne, très bonne réalisation, bon job aussi au niveau du montage. C'est un film très chaotique, on se promène dans les coulisses avec Lorne Michaels, on croise tout plein de personnages, on ressent le stress de la première diffusion en direct. Il y a vraiment beaucoup de personnages, c'est pas hilarant mais il y a plusieurs moments drôles. Il n'y a pas de grande intrigue, d'emblée il faut être vraiment intéressé par SNL, le monde de SNL, la vie de coulisses en temps réel. Est-ce que c'est un grand film? Non. Est-ce que c'est divertissant? Ouais, pas mal. J'ai quand même passé un bon moment. Ça dure 1h50 et je lui donne 3 étoiles sur 5. Bon cinéma!